C'est le classico de la Liga YouTube, mais ça sera également le classico pour ces quarts de finale de la Copa YouTube. Donc, River Plate et Boca Juniors qui se retrouvent pour un nouveau duel de deux matchs en phase d'aller-retour. Les matchs, donc voilà, les voilà, OGC Nice, Wolfsburg, River Plate, Boca Juniors, Southampton, Lazio de Rome qui viennent de s'affronter en championnat il y a 2 jours, ils se retrouvent déjà. Et Nottingham Forest, Monza AC, 8 équipes, pourquoi? Car, comme je vais vous le montrer sur le classement du championnat juste avant la trêve de Noël, et ben les deux derniers qui sont, comme vous le voyez, Fenerbahçe et Fulham, ne sont pas qualifiés, donc malheureusement pour cette compétition. Mais avant, on va se remémorer ce qui s'est passé en match de championnat entre River Plate et Boca Juniors. C'était il y a quelques semaines, rappelez-vous. Voilà, River Plate s'était imposé 3 buts à 2, alors que Nico s'était en période de crise, il n'arrivait plus à gagner en saison, et cette victoire lui avait fait du bien. Ça avait été un match compliqué, c'est vrai, pour Nico ce jour-là. Boca Juniors avait eu beaucoup d'occasions, mais malheureusement n'a pas tout concrétisé. Il menait au score 2 buts à 1. Raf, et donc Raf sur ce match-là, donc une revanche à prendre, c'est vrai, une belle revanche, mais bon, ça se joue encore à River Plate, donc on sait que Nikos est en pleine confiance en ce moment. Il enchaîne les belles performances depuis quelques matchs avec River Plate, donc ça va être, je pense, un match un peu compliqué peut-être pour Boca Juniors, même si on sait que dans ce contexte, les Clasicos, c'est toujours un match différent, un parfum différent. Et donc on a hâte de découvrir le match et voir le résultat final entre ces deux équipes. Allez, c'est parti, on ne perd pas de temps entre River Plate et Boca Juniors. Nous revoilà dans ce stade de River Plate, donc pour ce quart de finale, allez, de la Copa YouTube première édition, et ça fait plaisir donc d'avoir un classico entre les deux grands frères ennemis de l'Argentine, River Plate et Boca Juniors. En championnat, il y avait eu 3 buts à 2 pour Nikos Dhol de River Plate, et donc une revanche à prendre pour Raf et Boca Juniors dans ce match aller. Match aller retour en but accumulé. Donc l'importance de marquer est primordiale. Attention avec un premier débordement de Advíncula sur le côté. Il arrive dans la surface de réparation. La défense est passif. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Dario Benedetto qui refroidit après seulement 3 minutes de jeu. River Plate. Ouh là 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 là, le classico est déjà lancé. Grâce à Dario Benedetto. Et Boca Junior à 0 pour les jaunes et bleus. Ouais, la Nikos complètement statique sur cette attaque, la défense là, vraiment statique là. Ouais, j'ai envie de dire comme d'habitude, le temps de rentrer dans le match. Mais là, il est vraiment pas du tout rentré dedans pour être autant statique sur cette première occasion. Et on va voir la réaction. Et le classico est déjà lancé. Ça annonce déjà un match animé. Et on va voir la réaction avec De La Cruz. Pérez. Ouais, qui a voulu redonner à De La Cruz. Et c'est récupéré par Boca Junior avec Ramirez, Romero pour Benedetto qui perd le ballon. C'est récupéré par les rouges de River Plate avec Barco, Bora, Beltran. Oh là, qui rate complètement sa passe. Là, on sent des premières minutes compliquées pour Nikos. Le temps de se mettre dans le bain, j'ai envie de vous dire. L'arrêt là. Benedetto, il a de l'espace, qu'a-t-il fait? Mais il est bien repris par Diaz qui redonne à Barco. Beltran. Barco. Allez, Bora, on sait se faire reculer côté River Plate avec Gomez. Qu'a-t-il faire Gomez pour Beltran? Une peut-être avec De La Cruz. Le beau retour de la défense de Boca Junior. Et qui ça relance avec Romero. Ramirez. C'est toujours des parfums particuliers ces matchs-là, quel que soit
Oh là, attention, la parade super! Oh, quel geste technique magnifique! Mais quel arrêt surtout de Armani sur cette ciseau retournée! On était pour loin du 2-0, mais ça repart déjà de l'autre côté avec Nikos Delle et River Plate avec Solari. Solari pour Beltran, Beltran pour Delacruz dans sa phase de repas sur la frappe de Delacruz! Et l'égalisation de River Plate grâce à Delacruz! Alors qu'il y a quelques secondes, il y a eu une énorme occasion, une parade extraordinaire! Et sur la contre-attaque derrière, c'est Delacruz qui permet aux rouges de River Plate d'égaliser un but partout dans ce classico. Un partout. Ouais, le match a du rythme, il y a des occasions. Début de match intensif là. Après 17 minutes déjà de but. Des occasions. Bon, attention, ça repart déjà avec Zeballos. C'est ce qu'il va nous refaire comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, Gomez était bien vigilant. Nikos qui a un peu de mal sur les ballons sur le côté, on a l'impression, car ça fait plusieurs fois que Raph pénètre comme ça avec Barco. Attention Barco, que va-t-il faire? Barco le sent en retrait, mais c'est stoppé. Il n'est pas tombé dans le panneau, Raph. Allez, Fabra. Il y a du rythme hein, dans ce match-là, on s'ennuie pas. Oh là, il est allé tout droit. Casco. Allez, Casco, que va-t-il faire? Beltran, bien joué pour Delacruz. Delacruz, peut-être la vitesse. Non, il est bien repris par Fidal. Rossi derrière qui peut dégager. Romero. Zeballos. Varela. Allez, Villa. Allez, qui a voulu lancer, je pense, là-bas en haut le joueur. Mais malheureusement, ce n'a pas été le cas. Beltran. Allez, Delacruz. Ouais, qui voit dans la profondeur Beltran. Accélération de Beltran. Il revient derrière pour Borra, sur le côté pour Barco. Barco derrière Delacruz. Perez, oh bien joué pour Delacruz. Oh, c'est le poteau. C'est le poteau qui sauve Boca Junior d'un deuxième but de River Plate. Et ça repart de l'autre côté avec Romero. Attention, il y a de l'espace. Oh, attention, il est pris de vitesse. C'est bien fait pour Dario Benedetto. Peut-être pour le deuxième. Et ça va faire 2 buts à 1. Et ben voilà, on a le même cas de figure que sur le but de River Plate avant. Une grosse occasion et derrière le but sur le contre-attaque. 2 buts à 1 pour Boca Junior et le doublé pour Dario Benedetto. Ouais, la belle passe en profondeur, la limite du hors-jeu pour Dario Benedetto. Alors que juste avant, on avait eu cette énorme occasion de Delacruz sur la barre transversale et le poteau. Voilà, c'est comme quoi ça se joue à rien le foot. Un détail, et là ce détail... n'a malheureusement pas permis à Nikos de marquer ce deuxième but, mais a permis à Boca de marquer un deuxième. Par contre, la frappe complètement ratée, il y avait peut-être mieux à faire, il y avait peut-être mieux à enrouler pour l'attaquant de Boca. On était pas loin du 3-1. À une défense de... Bon, attention avec l'accélération de Borra, ça va très vite, on n'a pas le temps de parler, la frappe de Borra. Quel match pour l'instant, il y a du rythme, il y a des actions des deux côtés, c'est équilibré. Ça n'a rien à voir avec le match aller, pas le match aller, le match de championnat. C'était deux équipes en plein doute, surtout Nikos. C'est sûr que là Nikos dans ce match là pour l'instant montre un visage clairement différent du match de championnat. Avec Delacruz en surface de réparation. Et ça va être l'égalisation. Ça va être l'égalisation pour River Plate. Et c'est Beltran servi par Delacruz. 2 buts partout. On ne s'arrête pas dans ce match. Que des actions, que des buts. On ne s'ennuie pas. Et ça fait 2 partout. À quelques minutes de la mi-temps. Et pour l'instant, on est bien sur un match de coupe. Là, vraiment, les deux équipes jouent à fond. Romero. C'est récupéré, Beltran. Allez, Beltran qui a de l'espace et revient derrière sur Barco. Delacruz pour Borra. Borra qui va faire la frappe de Borra. Ouais, le troisième but pour River Plate dans la foulée du deuxième. Oh là 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 là, le match a basculé en 2 minutes. Et c'est Borra qui, sur cette frappe qui, lui, d'habitude, est souvent malchanceux devant les buts, et ben là qui trouve la lucarne et ça fait 3 buts à 2 pour River Plate qui prend l'avantage pour la première fois dans ce match. 3-2. Ouais, quel match là vraiment.
Oh, attends, ce n'est pas terminé avec le hors-jeu. On n'a même pas le temps de parler tellement qu'il y a du rythme dans ce match. Il y a du rythme, c'est un très beau classico. Un beau quart de finale pour l'instant. Avec Varela. Allez, ce but qui va peut-être mettre en confiance Nikos pour le reste du match. Letran. Il y a quand même beaucoup d'espace au milieu de terrain des deux côtés. Oh, c'est bien fait ça pour de la cruz dans la surface de réparation. Et la bonne sortie de Rossi. Et ça sera la mi-temps. Sur ce score de 3 buts à 2. En tout cas, quelle première mi-temps les amis. On est sur le même score qu'il y a eu en championnat. Et on est quasiment d'ailleurs sur le même scénario. Hein. Boca a mené 2-1. Et Nico s'est revenu à 2-2 et mène 3-2. Mais c'était en un match. Là, c'est en une mi-temps. Donc on va voir ce que ça donne dans cette seconde mi-temps, les amis. Match palpitant. La deuxième mi-temps, c'est parti avec le coup d'envoi donné par les Rouges de River Plate qui joueront avec ce maillot, je pense, tous les matchs de coupe. C'est leur maillot coupe pour River Plate. Et attention avec Villa dans la surface de réparation. Oh, bien joué ça. De la part de Diaz, la frappe puissante où il se les prend en pleine face, mais il s'est pas fait mal. Ça joue derrière pour De La Cruz qui peut relancer River Plate. Attention, Beltran. Ouais, il a voulu redonner à Solari, mais le bon retour de Fabra. Il y a de l'intensité dans ce match pour l'instant, c'est incroyable. On s'ennuie pas, c'est un match équilibré. Sûr que la coupe, ça n'a rien à voir avec le championnat. Avec attention, un beau ballon pour Romero. Et la bonne sortie d'Armani. Super sortie du gardien. Et ça repart déjà de l'autre côté. Avec Barco. Bora. Ouais, le long pour Beltran. Pour Bora. Beltran. Oh, il a de l'espace, Beltran. Il peut faire quelque chose. Il attend une solution. Il l'a derrière avec Perez. Beltran. Barco. Pour Bora. Bora dans la phase de réparation de la Cruz. Et on essaie de trouver une petite faille de côté de River Plate. Boca qui tient bon pour l'instant. Le centre, mais il était hors jeu. Solari. Ouais, ballon perdu bêtement là. Allez, Ramirez pour Boca Junior. Ouais, il est passé. Ramirez. Le ballon perdu aussi bêtement là. C'est dommage. Bora. Allez, Bora qui a de l'espace hein, pour avancer. Il n'est pas attaqué. Il revient derrière sur De La Cruz. Perez. Perez qui a voulu redonner à Bora. Mais Bora n'a pas suivi. Et c'est Rossi. Allez, Rossi, que va-t-il faire? Rossi, là, il prend des risques. Là, qu'est-ce qu'il fait, Rossi? Oh là là, c'était dangereux. C'était très dangereux. Et ballon perdu, là, inutilement. Attention avec Beltran. Beltran pour Bora. Bora qui peut frapper. Non, De La Cruz. Allez, De La Cruz qui va peut-être frapper. Il arrive dans la surface de réparation. Le centre, il aura des tout. Ouh là là, la frappe derrière. Mais ça sera le corner. Mais en tout cas, un match où on n'en s'ennuie pas. J'ai même pas le temps de parler tellement qu'il y a du rythme. Et on est sur un très très beau classico pour l'instant. Et c'est un corner pour River Plate. Ouais, on est vraiment sur un autre rythme que le match de championnat. Là, vraiment, même Nikos, là, on voit vraiment qu'en ce moment, il est en confiance. Ça n'a rien à voir. Allez, le corner qui va tirer De La Cruz. Allez, le corner, il est bien tiré au point de pénalty. Oh, le ciseau! Oh, la retournée! La retournée super de Bora qui vient inscrire ce quatrième et magnifique but. Quel but de Bora sur ce corner. Oh là 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 là, ce joueur est juste incroyable parce que c'est le genre de joueur qui va vous rater des choses immanquables. Je le compare à Brandao ce joueur, si vous vous rappelez, l'ancien joueur de l'OM. Il va vous rater des choses immanquables et il va vous marquer des buts incroyables. Et ça a été le cas sur ce but. Quel but de Bora en retournée acrobatique. Ça fait 4-2 pour River Plate qui prend de l'avance sur ce match-là, car on rappelle, c'est en aller-retour, on rappelle que c'est en but accumulé, et deux buts d'avance, c'est bien, pour l'instant, pour River Plate, mais on va voir la réaction de Boca Junior, attention avec Bora, Bora peut-être qui veut retrouver De La Cruz, mais ne le trouvera pas, et ça repart avec les jaunes et bleus de Boca, avec Orsini, Villa, Villa qui trouve le long, Fernandez, Fernandez qui arrive dans la surface de réparation, Fernandez, ouh,
il y avait peut-être une faute là. Il y avait peut-être une faute, monsieur l'arbitre. Ouais, pour moi, il y avait penalty là, clairement. Il touche pas le ballon. Mais bon, il y a corner, donc se dire qu'il a touché le ballon. Alors qu'à vitesse réelle comme ça, on a l'impression qu'il touchait le joueur, mais s'il y a corner, c'est que il a touché le ballon. Allez, Gomez, Barco. Oh, Barco qui a été tamponné et qui obtiendra le coup franc, évidemment, sur ce plaquage. Allez, il reste encore du temps dans ce match pour des buts. Mais surtout pour voir la réaction de Raf et Boca, qui dans cette seconde mi-temps est un peu moins présent que la première. Lui qui avait dominé une bonne partie du match en championnat. Voilà, on est sur l'effet inverse, du moins dans cette seconde mi-temps. Allez, attention avec dans la surface de réparation et le bon retour. Il y a une confiance qui s'est installée là chez Nikos avec ses deux buts d'avance. Avec attention Beltrán. Beltrán, il a trois solutions, deux solutions pour Bora. Oh, le ballon est mauvais de la part de Bora. Ouais, mauvais ballon de Beltrán là. Le coup est mal joué, mais ça repart déjà avec Orsini. Allez, Orsini encore pour Villa dans le dos de la défense. Villa, qui va-t-il faire? Le centre de Villa pour la tête de Romero. Et ça fait 4 buts à 3. Le match est de nouveau lancé. Oh là 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 là. À 15 minutes de la fin, Boca Junior qui revient. Un but, 4-3. Quel classico, les amis. Ah, il n'a pas eu beaucoup d'occasions dans cette seconde mi-temps, Raf là. Et là, celle-là, il l'a pas, raté. C'est Nikos qui a le monopole dans cette seconde mi-temps. Et là, il a bien joué le coup, là, Raf, avec ce but. Ouais. Allez, ça repart avec River Plate qui remet la pression. Avec Solari. La frappe de Solari, elle est contrée. Et ça donnera un nouveau corner pour River Plate. Qui, dans cette seconde mi-temps, est très, très bien. Ouais, Marie. Ouais, mais voilà, il suffit d'une petite erreur de défense ou même pris de vitesse. Là, et voilà, c'est le deuxième but où Nico s'est pris de vitesse dans le dos. Allez, De La Cruz, Bora, Beltrán, ah, qui rate complètement son ballon, Beltrán, Fabra. Ah, il y a encore du temps pour Boca pour faire quelque chose, pour égaliser. En but cumulé, et pour l'instant ça nous annonce un match retour exceptionnel. Ça sera à Boca Junior dans une semaine. Allez, attention avec bien joué là pour Solari. Solari dans la surface de réparation, le centre de Solari. C'est le genre de ballon dangereux où le défenseur peut marquer contre son camp. Allez, Orsini, Villa. Allez, Villa, il a du champ pour faire quelque chose. Il a donné à Orsini. Attention, on joue les dernières minutes. Fernandez. Allez, Nikos qui reste bien concentré défensivement. Le centre. Oh, attention, ça revient. Et la sortie d'Armani qui peut choper ce ballon. Et dégager à la main. Bora. Oh, Bora qui perd le ballon. C'est récupéré. Boca. C'est ses dernières minutes de poussif pour Boca Junior. Et le ballon est récupéré par Diaz qui peut relancer River Plate. Allez, Solari. Bien joué. Allez, le 1-2, pourquoi pas. Non, avec Bora, oui, qui redonne à Solari. Ça sera la dernière action sans doute de ce match. Solari dans la surface de réparation pour Beltrán. Beltrán peut-être pour le cinquième. Oh, et l'arrêt super du gardien. On était pas loin du cinquième. Et ça donnera un dernier corner pour River Plate. De La Cruz au corner. Allez, De La Cruz pour tirer ce dernier corner. Ça va être sifflé après, je pense. Le centre est... C'est terminé. Super match que l'on a assisté, les amis, vraiment un super classico. Et Nikos qui s'impose encore une fois face à Boca Junior. Et avec un seul petit but d'écart encore, mais là il n'y a pas eu 3-2, il y a eu 4-3. On a assisté à un bon match, vraiment équilibré, même si en seconde mi-temps Nikos a été un petit peu plus dominant en termes d'occasion et de possession. Mais Raf ne démérite pas vraiment. Il aurait pu faire quelque chose. Peut-être arracher le nul.
Mais en tout cas, belle victoire de River Plate qui annonce un match retour très 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 intéressant à Boca Juniors dans une semaine. Super match, vraiment, on s'est pas ennuyé. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour le match de championnat donc qui reprendra ses droits peut-être fin de semaine ou début de semaine prochaine avec la 11e journée. Moi je vous dis à bientôt, merci de m'avoir suivi, bye bye.